pas Arnaud Ménard, de la DSIN. Il n'est pas là? D'accord. Eh bien, il va arriver. Je ne suis pas inquiet. Alors, petite présentation de tous les intervenants. Donc, nous avons Orange et Monsieur Barnard Bélessiki qui va venir nous parler pour l'opérateur historique. Je sais qu'il n'aimait plus qu'on vous appelle comme ça. Nous allons avoir évidemment SFR à côté. Alors, l'idée, c'est en aucun cas, on n'est pas là pour mettre des gens les uns en face des autres, mais les questions vont être complémentaires sur des sujets différents. De la même façon, au niveau du matériel, on a la chance d'avoir les Lenovo et M. Mathieu Cambounet, Maxime Guiroton pour Samsung, Arnaud Ménard, donc, je suis persuadé qu'il va nous rejoindre. D'ailleurs, je vois qu'il manquerait un fauteuil, Ludovic. Si on... Ah non, il est là, excusez-moi. Rudanan, et là, c'est la première fois que nous allons avoir sur scène la direction des achats de PSA, qui va nous expliquer un peu comment on achète le matériel. Philippe Beaune, président de Midrange, donc les sociétés Midrange, vous la connaissez, elle est dans le réseau depuis quelques années. Ça m'a paru intéressant d'avoir un avis d'un mainteneur. Donc, en fait, pour aborder ce sujet, on ne va pas parler de DMS. Différentes raisons. D'abord, c'est que c'est le seul item qui va manquer, parce qu'aujourd'hui, les éditeurs de DMS sont tous en roadshow, donc ils venaient les trois, ou ils ne venaient pas. Donc, on a préféré mettre de côté le sujet DMS, qui est un sujet à part entière. Donc, on va plutôt essayer d'avoir une vision et demander aux mainteneurs, aux opérateurs, aux fabricants, aux concessionnaires, de leur vision de l'informatique, d'une façon plus générale, les systèmes de communication, téléphonie informatique, puisque tout ça, c'est complètement mêlé aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, où est-ce qu'on va? L'idée, c'est de se poser les bonnes questions dans différents axes. Et on va commencer par donner la parole à Philippe Beaune. Alors, pourquoi Philippe Beaune? Parce que lui, il est en contact avec les éditeurs, il est en contact avec les opérateurs, il est un petit peu au milieu de tout ça. Donc, je vais commencer à lui demander sa vision des systèmes d'information. Merci. Donc, mon nom est Philippe Bonne, je suis président de Midrange Group, qui est une entreprise de services numériques. Et c'est vrai qu'on est en contact historique avec les éditeurs DMS, puisqu'on a été pendant des années leurs sous-traitants. On est en contact aussi avec les concessionnaires et les groupes, avec les constructeurs, puisqu'on opère différents services, des services de conseil, des services d'hébergement et des services d'infogérance. Alors, pour reprendre un petit peu l'état de l'informatique d'aujourd'hui et l'informatique de demain dans la distribution automobile et plus précisément dans votre réseau, il y a un petit retour historique à faire sur la manière dont l'informatique a pu être opérée par le passé. C'est une informatique qui était pilotée par le constructeur. Les concessionnaires étaient alignés sur le schéma directeur du constructeur avec un DMS, même si on ne va pas en parler aujourd'hui, mais qui est un outil important qui était préconisé par le constructeur, le DMS que tout le monde connaît, qui s'appelle Tigre. Et un réseau qui était réseau informatique, qui était piloté par le constructeur et sur lequel les concessionnaires étaient posés. On a vu il y a plus de 3 ans maintenant un grand changement s'opérer à travers le désengagement du constructeur de son réseau et la réappropriation forte par les concessionnaires et les groupes de concessions de leur système d'information. Et c'est le premier changement qu'on a vu s'opérer, c'est que les concessionnaires se sont occupés vraiment d'une informatique qui n'était plus vue comme une informatique subie, mais comme une informatique qui était un outil de performance et de développement commercial et technique. Et c'est à ce moment-là que sont arrivés les grands projets de mise à plat de réseau. Donc on a vu les opérateurs arriver, SFR et Orange, qui ont proposé leurs services et qui ont permis aux concessionnaires de poser le premier socle, qui est une infrastructure réseau fiable et opéré directement par le concessionnaire, pour ensuite voir les dossiers d'évolution de DMS qui ont pu s'opérer à travers la transition des DMS Tigre vers du DCSNet ou de l'ICAR System. Pour ensuite voir une préoccupation forte dans le cadre de ces migrations pour la notion de CRM, les concessionnaires se sont préoccupés de leurs données, les ont nettoyées, les ont intégrées dans des CRM qui ont pu délivrer un service global sur la vente VN, le VO, la vente de pièces et l'après-vente. L'autre transformation qu'on voit s'opérer actuellement, c'est l'adoption par le métier des outils de type réseaux sociaux qui sont diffusés au niveau du grand public et dont les concessionnaires se réapproprient actuellement, aussi bien sur le multicanal, le YouTube, mais aussi la capacité à utiliser du Facebook pour mieux gérer ses clients,
du LinkedIn et du Viadeo. L'une des dernières choses qu'on a pu voir s'opérer dernièrement, c'est aussi, et c'est en cours, c'est l'appropriation par les groupes de concession de ce qu'on appelle les réseaux sociaux d'entreprise. En gros, c'est l'équivalent des Facebook, mais pour l'entreprise, qui sont déployés par les sociétés des offres Google ou Microsoft. Quand on parle de Microsoft, c'est du 365. Et on voit ces solutions qui sont en train de se déployer, puisqu'elles permettent de s'affranchir de la connectivité, puisque n'importe quel type de device peut se positionner sur ces solutions cloud. Et ces solutions cloud délivrent un ensemble de services qui permet d'augmenter la performance opérationnelle des groupes de concessions en délivrant de la messagerie, des espaces collaboratifs, du chat, du Skype, mais aussi des espaces de collaboration forte, puisqu'il y a une spécificité dans vos métiers, c'est qu'il y a nécessité de collaborer fortement entre le constructeur, les concessions, les agents et tout un ensemble de solutions tierces. Et on arrive à ce moment-là, la dernière transformation qu'on voit s'opérer actuellement, c'est une refonte digitale complète de l'offre pour faire cohabiter les offres traditionnelles avec les offres digitales. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on on voit s'opérer, c'est un ensemble de services, un ensemble de préoccupations qui sont portées par le réseau pour se réapproprier son informatique et utiliser au mieux ces nouvelles technologies. Alors, merci Philippe. Alors, vision, vous l'avez vu, très large, métier, on connaît parfaitement le réseau. Alors j'ai envie de rebondir et poser une question à un fabricant, à Lenovo. Quid du matériel demain? Est-ce que demain on travaille encore avec des PC, pas question d'opposer PC et tablette? Est-ce qu'il y aura encore des serveurs dans les concessions? Quelle est la vision d'un fabricant de matériel informatique comme le vôtre? Bonjour, vous connaissez bien Lenovo aujourd'hui, excusez-moi pour ma voix. Vous connaissez bien Lenovo aujourd'hui, j'imagine, parce que dans toutes vos concessions, vous avez la fameuse mallette Jackbox avec un ordinateur dedans aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, on reste sur cette partie ordinateur, mais nous sommes déjà en train de travailler avec les équipes de PSA sur le futur, c'est-à-dire transformer cet ordinateur sous forme beaucoup plus mobile en utilisant des technologies de type tablette, mais aussi des technologies de type ordinateur hybride. Un ordinateur hybride, c'est un ordinateur qui peut passer du format traditionnel que vous connaissez, laptop, à un format tablette, soit en débranchant l'écran, soit en retournant l'écran, ce genre de choses. Donc sur la partie purement utilisateur, effectivement, la tendance va à la mobilité. À la mobilité, c'est pas uniquement en dehors de notre espace de travail, mais c'est aussi sur l'espace de travail. Un autre exemple, dans la relation commerciale aujourd'hui, quand vous rencontrez un client, vous faites le tour d'un véhicule. L'idée d'avoir une tablette entre les mains peut permettre d'interagir directement avec le client, lui montrer des options qu'il ne pourrait pas voir visuellement sur le véhicule, et ensuite retourner à votre poste pour finaliser la vente. Donc là aussi, il y a besoin d'outils hybrides, d'outils flexibles, qui vous permettent de passer d'un mode bureautique traditionnel avec des besoins de productivité, par exemple avoir un clavier important, mais aussi de passer très rapidement à des problématiques de mobilité en ayant là aussi l'outil idoine entre les mains à l'instant T. Alors bien entendu, tous ces services et tous ces nouveaux outils reposent sur, on va dire, le grand mot à la mode du moment qui est le cloud. Effectivement, vous avez des solutions en cours de développement ou déjà déployées qui reposent sur des solutions serveurs. Pour vous, clairement, le nerf de la guerre va être la connectivité réseau. Se déplacer de votre bureau à la voiture sans avoir un bon réseau, ça va être très difficile. Donc, clairement, le point important va être la connectivité sans fil dans les concessions pour ensuite pouvoir vous connecter directement et sans aucun problème sur des serveurs, que les serveurs soient chez vous ou en dehors, peu importe, du moment qu'ils vous offrent le service que vous souhaitez. Donc, la connectivité réseau va être un des points importants pour vous. Les opérateurs, je pense, vont revenir sur le sujet. Alors, clairement, ce qui vient d'être évoqué, je pense, est un peu la philosophie de tous les fabricants de matériel. Alors, je peux demander à Samsung de nous parler peut-être plutôt plus client, parce que là, on parle de vos organisations, mais je crois que le métier du... Vos clients ont changé. On va vous passer d'ailleurs une petite vidéo, vous direz qu'on voulait qu'on la lance, que vous pourrez commenter en direct, qui est assez significative de ce qui va vous arriver. Thank you.
20 ans, ça. Non, non, ça existe. En fait, on a recréé ça en tout début d'année, au tout début avril, en fait, pour justement montrer aux clients ce qu'on pouvait faire. Et on l'a créé de toutes pièces, puisqu'on a investi un lieu dans Paris à côté de la Bourse. On va dire il y avait quatre murs trois murs et une vitrine, et on a recréé un magasin à l'intérieur pour montrer ce qu'on était capable de faire avec de la technologie aujourd'hui. Tout n'est pas Samsung là-dedans, en toute transparence. On travaille avec un grand nombre de partenaires qui constituent notre écosystème et qui apportent les solutions et les services que vous avez vus là. Alors là, c'est du retail, mais l'extension avec les concessions automobiles, elle est assez facile. L'intérêt de tout ça et pourquoi on l'a montré, c'était justement pour montrer que ce n'était pas demain, et que c'était quelque chose qui existait aujourd'hui et qu'on était capable de faire. Tous les exemples qu'on a pris sont des exemples qu'on a pris chez nos clients. Simplement, nos clients, c'est normal, ils commencent dans le cadre d'une roadmap par des points et ils déploient les points les uns après les autres, pas tous dans le même ordre. Donc on a juste réuni tous ces points, on a recréé ce magasin. Et on a fait ça pour expliquer que la relation avec le client, elle est en train de changer. Il y a un certain nombre d'exemples, alors je pourrais presque les reprendre les uns après les autres, mais il y a attirer les gens dans les magasins ou dans les concessions, et ça c'est le dynamisme que peut apporter l'écran vu de l'extérieur, puisqu'il peut apporter un certain nombre d'informations. Il y a aussi le fait d'être présent quand on est fermé. Et ça, c'est ce que vous voyez un peu avec l'écran tactile, c'est-à-dire d'aller chercher de l'information même quand c'est fermé, de savoir quand ça va ouvrir, de savoir ce qu'on peut présenter, de voir éventuellement les modèles et ce qu'on peut vendre. Ça, c'est important parce que ça crée de la relation et ça crée du lien avec les clients et les prospects. C'est aussi un très bon moyen d'étude. Aujourd'hui, connaître son client, c'est la clé de la réussite. Et souvent, il a un peu... si vous mettez juste les petits smileys sur votre bureau quand vous vendez une voiture, il a plutôt tendance à appuyer sur le vert que sur le rouge. En revanche, quand il est dans la vitrine, il vient juste de sortir de son acte d'achat ou en tout cas de son expérience. Et là, il n'y a plus personne en face de lui, donc il restitue un peu plus fidèlement ce qu'il a vraiment vécu. Et vous avez un retour très concret de ce qui s'est passé et de ce qu'il attendait. Et puis ensuite, alors bien sûr, vous n'allez pas mettre les gens dans une cabine d'essayage. Néanmoins, il y a quelque chose qu'on a fait et beaucoup de concessions maintenant sans équipe, c'est... cette problématique que l'on a de vouloir tout montrer mais avec une place très limitée, et aujourd'hui les écrans nous servent à ça, c'est-à-dire qu'on est capable de reproduire grandeur nature les voitures, de changer les couleurs, les configurations en live et de les faire vivre avec des casques de réalité virtuelle, de faire vivre l'expérience, c'est-à-dire qu'on le fait s'asseoir dans un siège et il vit l'expérience comme s'il était dans la voiture et il peut finalement tester tous les modèles, toutes les couleurs, toutes les configurations possibles depuis un siège qui est en face du bureau du vendeur. Et ça change complètement la relation client, et on est dans une relation qui est immersive, et cette relation, on le sait, aujourd'hui tous les gens qui l'adoptent nous disent qu'ils ont un taux de conversion qui est 2 à 3 fois plus important que ce qu'ils avaient auparavant, parce qu'ils font vivre une expérience, ils sont dans l'usage, ils sont plus juste, ils sont dans l'émotion, ils sont plus juste dans la présentation d'un catalogue. Et ça, c'est ce qui est en train de changer pour la relation avec le client. Et effectivement, je rejoins mon confrère sur l'autre sujet qui est celui de la vie dans la concession, c'est-à-dire à la fois des employés, mais aussi je pense à la partie vendeur, la partie maintenance aussi, qui est extrêmement importante, où aujourd'hui on a besoin de mobilité, on a besoin d'outils qui peuvent nous permettre d'aller plus vite, de se déplacer et de plus être sur un poste fixe. Et ça, c'est aujourd'hui une nécessité. On l'a vu et on l'a déployé avec des cousins que vous connaissez bien de chez Citroën, pour mettre justement des tablettes au niveau de la maintenance et que ces tablettes servent à toute la partie maintenance de réceptionner les voitures, de faire le tour des voitures et surtout d'avoir encore une fois une expérience client très différente, c'est-à-dire qu'on n'est pas derrière un PC où on ne voit pas ce qui se passe sur l'écran, mais on partage avec le client finalement tout ce qu'on est en train de faire. Et donc il y a une transparence qui s'installe, une confiance extrêmement forte, et du coup on a un taux de fidélité qui s'accroît dans les magasins ou concessions qui déploient ce genre d'innovation. Très bien. Alors j'aimerais bien donner la parole à un opérateur téléphonique sur ce sujet, sur la digitalisation client. Donc alors chez OBS, vous pensez la même chose ? Eh bien, chez OBS, évidemment, on pense la même chose pour plusieurs raisons. C'est que nous sommes partis d'un constat simple, c'est que nous sommes retrouvés sur un marché de plus en plus concurrentiel, de plus en plus compétitif. Et donc, il a fallu se réinventer. Et cette réinvention est passée par la création d'une nouvelle marque, Sosh,
qui nous a permis non seulement, de par les réussites associées à cette marque, de défendre nos parts de marché, d'acquérir de nouveaux clients et d'avoir des perspectives très importantes en termes de upselling. Donc on s'est rendu compte qu'en mettant en place cette rupture, en réinventant un modèle économique, nous avons ainsi pu augmenter le nombre de clients, permettre de vendre plus de produits. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est d'aller encore plus loin avec cette marque et de la diffuser en fait cette expérience à l'intérieur du groupe. C'est ce qui fait en fait la réalité de la transformation digitale telle qu'elle a été impulsée par notre patron, donc dans le plan stratégique Essentiel 2020. Alors, transformation digitale, de vos concessions, du client, il faut un réseau en béton. Alors, que si on a votre collègue de nous parler un petit peu du réseau. Il faut de la fibre, comment est-ce qu'on arrive à ces résultats? Écoutez, je suis enchanté d'être là, en tout cas, je suis Antoine Sercieron, je suis président de JFCOM, je suis un distributeur SFR Business, je travaille avec le groupe depuis maintenant bien longtemps et avec Unicap en partenariat depuis une dizaine d'années. Pour répondre à votre question, Didier, toute la stratégie du nouveau groupe SFR Numéricable tourne autour de cette qualité de connectivité. Et aujourd'hui, l'association de Numéricable et Completel, qui est la branche armée entreprise et de SFR, nous positionne quasiment en leader sur la partie fibre en France. Et la volonté de notre nouveau patron, Patrick Drahik, dont vous avez entendu parler, c'est de devenir le leader incontesté sur le très haut débit, la THD. Donc on va avoir deux opérateurs qui vont se battre, ouais. On a l'habitude. C'est plutôt la marque, maintenant j'aimerais un peu demander son avis sur tout ce qui vient d'être dit, Arnaud, la mainteneur, des fabricants, des opérateurs. Bon, Arnaud, est-ce qu'on peut savoir un petit peu où va la marque et comment est-ce qu'elle voit les systèmes d'information des concessions dans 5, dans 10 ans? Alors, je ne vais pas parler de 5 à 10 ans parce que je pense que niveau système d'information, ça évolue tellement vite que dans 5-10 ans, je suis déjà un peu loin. Ce que je trouve, c'est que je me retrouve beaucoup dans les messages des uns et des autres qu'on a pu avoir là pour le moment, dans le sens où on équipe... tous les sites de solutions tablettes, que ce soit à la prévente, et il y a un projet qui est en test aujourd'hui, qui est opérationnel sur certains sites en phase de pilotage pour les retours utilisateurs, mais sur des tablettes vendeurs. Donc quelque part autour de ces tablettes, dans les concessions, on va être amené à être mobile avec une tablette, que ce soit aussi bien à la prévente que dans le showroom. Donc il va falloir équiper nos sites de Wi-Fi. Derrière ces tablettes, on y équipe, on y met des vidéos vis-à-vis du client, on y met de l'information, on pousse de plus en plus d'informations. On verra, on parlait d'un catalogue tout à l'heure. Maintenant, je dirais que tout ça, c'est digitalisé. On présente tout avec des vidéos HD, avec des photos HD. On va vouloir y montrer l'accessoire monté directement sur le véhicule. On va vouloir montrer tout un tas de choses. Alors avant, on l'avait sur un catalogue et maintenant, ça va être systématiquement sur des tablettes. Donc tout ça va tirer tous les sujets d'infrastructure dans le point de vente où il va falloir équiper de Wi-Fi, qu'on ait des connexions un peu plus haut débit pour communiquer avec l'extérieur, et ça va pousser beaucoup d'échanges, quoi. Bon, après, c'est vrai que nous aussi, Marc, on pousse pas mal de choses. Après, il y a des retours terrain aujourd'hui, c'est sur aussi la notion d'appropriation, quoi. Parce que bon, on a notre vision et on a sur la façon dont c'est super bien, c'est super beau, c'est beau, vu du client, c'est bien. Après, quand on va sur le terrain, il y a aussi le personne qui réceptionne et qui a une tablette et qui n'est pas encore à l'aise face à son client. Quand il avait son bout de papier, qu'il avait deux, trois trucs à cocher, c'était aussi plus rapide, quoi. Et donc,
à la fois on veut apporter une image, on veut apporter du professionnalisme, mais il y a un passage aussi à l'opérationnel qui est en train de se faire, et l'appropriation de tous ces outils, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Alors, c'est peut-être un petit peu inversé dans le programme qui était prévu, donc je vais plutôt demander à Bertrand d'intervenir, alors, et on va finir sur la partie achat. Alors Bertrand, il était responsable du GT informatique, c'est un vieux concessionnaire à la retraite. 30 ans de Peugeot. 30 ans de Peugeot. J'aimerais bien, alors, avec ton pragmatisme, parce que toi, clairement, on voit des choses arriver, tu as commencé à en mettre en place dans tes affaires il y a quelques années, ta vision là-dessus, entre tout ce qui arrive, ce qui est possible de faire, revenons un petit peu à la vraie vie. Voilà, c'est ça, c'est la vraie vie, nous on est des garagistes avant tout. Et donc en fait, c'est vrai que ça brille de partout, c'est beau, donc c'est vrai qu'on ne peut pas non plus rester en arrière, il faut aller avec son temps. Par contre, juste avant, on était en train de parler de faire des économies, et puis là on est en train de craquer le portefeuille, parce que c'est vrai que ça brille de partout. On avait un vieux tigre qui était dans un coin, qui ne disait pas grand-chose, il fonctionnait tranquillement, il nous donnait ce qu'on voulait. Maintenant, les systèmes évoluent, donc le matériel évolue, donc il faut changer. Donc c'est normal. Il faut, comme les groupes grossissent aussi, il faut que vous ayez de la pertinence dans vos chiffres et que ça soit le plus rapide possible. Donc il faut des nouveaux matériels. Par contre, tout ça, ça va avoir un coût. Et donc c'est là un petit peu le revers. C'est-à-dire qu'on a tous envie d'avoir des belles choses chez soi. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, il faut adapter les hommes. Il faut que les hommes s'adaptent aux produits. Et puis il faut maîtriser les coûts. Et c'est là où il faut faire très attention. La personne qui a repris mon groupe, en reprenant le modèle qu'on avait mis en place, au bout d'un mois, il dit « j'ai fait 20 000 euros d'économie sur mes liaisons informatiques ». Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il avait dit « faites ». Et puis, donc voilà, et la difficulté qu'on peut avoir, nous, en concession, c'est que c'est de nouveau pas notre métier. Mais il faut que vous vous y intéressiez, parce que sinon ça va faire comme la taxe foncière. Vous allez vous apercevoir au bout de 10 ans que ça fait 10 ans que vous payez trop, parce que là-dedans, il y a du récurrent. Donc il y a du récurrent sur les abonnements, il y a du récurrent parce qu'il y a des évolutions de matériel. Vous avez tous un téléphone portable et régulièrement, tous les deux mois, on vous dit il y a une mise à jour à faire. Sauf que dans le domaine du professionnel, les mises à jour, on vous dit c'est payant. Et puis quand c'est pas payant, on vous dit à un moment donné, mais il faut changer de serveur parce que pour évoluer, votre serveur est plus adapté. Donc ça, il va falloir y faire attention. Donc là, je pense que la marque il fait aussi attention dans l'évolution, dans l'avancée de tout ça. Alors il y a incontestable qu'il va falloir équiper vos concessions d'un réseau Wi-Fi qui soit fiable. Fiable parce que il faudra y mettre des tablettes, incontestablement. Il faudra que le client puisse rentrer chez vous et qu'il puisse se connecter. Et puis il faudra que le constructeur puisse se connecter pour diagnostiquer, brancher les voitures. Donc en fait, dans le réseau Wi-Fi, on voit quasiment trois accès. Pour moi, j'y voyais trois accès. Un accès client, un accès commercial et un accès technique. Ces trois accès, il faudra à un moment donné les différencier. Ensuite, on a parlé un petit peu de téléphonie aussi. Donc tout ça, ça va rentrer aussi en ligne de jeu. Donc déjà, c'est de bien identifier le réseau que vous voulez, quelle est la superficie de votre concession et quel est le réseau que vous allez vouloir y mettre. Alors quand je dis que vous allez vouloir y mettre, vous n'aurez pas beaucoup le choix, il faudra y aller, quoi. Il y aura une redéfinition à faire. À partir de là, il va falloir savoir si les tuyaux de communication pour amener toutes ces informations chez vous sont suffisamment costauds. Alors c'est vrai que là, quand on nous en parle, on a différentes offres. Donc là, moi, je dirais que c'est le conseil, c'est Unicap, parce qu'en fait, ayant un peu l'expérience de ce qui se passe, la vision des groupes, qu'ils soient petits, qu'ils soient multimarques, monocytes et autres, il y a une vision qui est correcte. Nous, on a toujours fonctionné avec les contrats cadres. C'est ce qui a fait que mon acheteur a récupéré 20 000 euros en disant « il faut que j'aille chez Unicap parce que j'aurais fait des économies plus tôt ». Ça, c'est un premier point. Puis après, c'est le matériel, donc le matériel que vous allez mettre en place. Alors le DMS, ça va être le gros sujet pour beaucoup d'entre vous. Donc il va encore y avoir de la résistance naturelle du personnel pour pouvoir s'y remettre. Et puis ensuite, ce matériel, il va falloir le maintenir. Il va falloir lui mettre des options qui sont des écrans, qui sont des tablettes, qui sont pas forcément des ordinateurs. Ça peut être des fois des petits outils qui permettent d'avoir accès à l'information. Donc voilà, donc moi je dirais ma mise en garde simplement, c'est c'est vrai, c'est beau, ça brille, moi ça me plaît, hein, à chaque fois qu'il faut faire un nouveau truc, je vais le doigt. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut mesurer les coûts parce que vous allez avoir des coûts récurrents que vous ne connaissiez pas avec Tigre. Et en plus aussi des mises à jour qui vont devoir être faites, des sauvegardes qui vont devoir être faites que vous ne connaissiez pas avec Tigre.
Donc il faut s'appuyer sur des contrats nationaux et des gens en local. Mais ces gens en local, il va falloir aussi qu'ils soient performants. Donc c'est pas simplement là de la réciprocité. Comme on a vu hier, voilà. Parce que en fait, à un moment donné, il vous faut des gens performants. C'est plus une question de savoir si vous achetez une voiture ou pas. De toute façon, au prix où vous la cédez, vu la marge qui reste, il faut mieux que vous ayez un performant et pas lui vendre d'auto à celui qui serait un peu à côté de la plaque, quoi. Parce que tout le monde pense faire, savoir tout faire, et en fait, l'informatique, ben, vous avez un panel ici de représentatif, mais je dirais qu'il y en a encore plein de choses, quoi. À chaque fois qu'on parle d'informatique, chaque domaine, un serveur, c'est des gens dédiés, un DMS, c'est des gens dédiés, du Wi-Fi, c'est des gens dédiés. À chaque fois, c'est vraiment très spécialisé. Voilà. Merci Bertrand. Alors, effectivement, un bon résumé avec son pragmatisme habituel. Alors, on parle de prix, on parle d'achat. Et vraiment, je reviens là-dessus, on a la chance d'avoir la direction des achats parmi nous. Je pense que c'est la première fois qu'elle rencontre le réseau. C'est la première fois que vous rencontrez la direction des achats de PSA. Alors, une question, vous verrez, je ne sais pas, 30 000 lignes de portables. Enfin, comment est-ce que vous achetez aujourd'hui toutes ces magnifiques présentations qui ont été faites? Comment vous gérez la relation avec la DSIL, la gestion d'un cahier des charges qui est plus ou moins exigeant? J'aimerais bien avoir votre éclairage sur ce sujet. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je fais partie de la direction des achats PSA Peugeot Citroën. Donc c'est une vision mondiale, mutualisée, enfin, qui permet de massifier et pour faire des économies et maîtriser le coût. Évidemment, c'est un des premiers vecteurs. Donc nos prescripteurs sont divers. Donc moi, je m'occupe des achats IT pour le groupe. Donc IT étant les prestations informatiques de services, et puis le matériel, les logiciels, les télécoms. On retrouve, qui va vous concerner, les postes de diag, par exemple. Alors ensuite, on a une activité un peu plus spécifique pour le réseau propre, pour les postes de travail, etc. Donc, on travaille avec la DSIL, mais on travaille aussi parfois en direct avec d'autres prescripteurs, type la direction pièces et services pour le diag ou les marques pour des besoins spécifiques. Et donc, comment on travaille avec la direction informatique? Plutôt bien. Et d'ailleurs, on aimerait bien qu'il soit le plus souvent possible en interface avec les autres directions du groupe, parce qu'effectivement, l'idée, quand même, c'est d'avoir une expression de besoin, donc un cahier des charges qui vient donc du prescripteur le plus abouti possible. Si besoin, en amont, il y a des phases de RFI, hein, de Request for Information, où là, on sonde le marché, on regarde ce qui peut se faire de façon non engageante. Et puis effectivement, ce sont des appels d'offres classiques. Donc je dirais que l'importance, c'est bien de massifier et puis d'avoir effectivement une expression de besoin claire. On demande à notre prescripteur, quel qu'il soit, quel est son objectif budgétaire. On se fixe en interne direction des achats, des cibles encore plus ambitieuses que le budget que nous donne le prescripteur. Et puis on fait des appels d'offres et des négociations plus ou moins classiques avec potentiellement des mises aux enchères, potentiellement. Alors sur ces appels d'offres, une question, est-ce qu'aujourd'hui vous faites un appel d'offres sur le matériel informatique et autres, est-ce que vous appelez, l'appel d'offres est ouvert à tout le monde, ou est-ce qu'il y a déjà une présélection d'un certain nombre de fabricants ou d'opérateurs? On a eu il y a quelques années, toujours des questions qui piquent, il y a quelques années le cas sur un appel d'offres, lorsqu'on est sur la partie, je crois que c'était VPN, mais tous les opérateurs n'avaient pas été consultés. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont changé depuis 10 ans chez PSA, est-ce qu'aujourd'hui c'est du systématique on va voir tout le marché, ou alors il y a déjà des présélections de partenaires PSA à qui vous soumettez ces appels d'offres? Non, on ne va pas voir tous les opérateurs ou tous les constructeurs possibles et imaginables. Quand on ne sait pas très bien, il y a des phases de RFI qui vont nous permettre de cibler des fournisseurs qui vont être capables de répondre aux besoins. Et puis ensuite, effectivement, un appel d'offres, on a une liste, une bid list qu'on établit. C'est piloté par la direction des achats, en accord évidemment avec le prescripteur, en fonction de retour d'expérience, du marché, de l'analyse du marché ou de politique technique achat. Donc ça, c'est un point que nous faisons sur nos groupes de marchandises
ou famille d'achat. Donc ça, c'est comment nous sommes structurés à la direction des achats. Donc on travaille sur le groupe de marchandises, PC et réalité virtuelle, ou opérateur télécom. Enfin, on a différents groupes de marchandises avec des acheteurs qui s'en occupent plus particulièrement. Mais donc on a une politique, on essaye d'établir des politiques techniques achat par groupe de marchandises et qui donne une vision qui est le plus possible partagée avec le prescripteur sur la cible, la stratégie, quel va être le panel, et puis on remet ça régulièrement en question, hein, tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, en fonction du périmètre. Très bien. Et donc, de toute façon, on ne peut pas ouvrir une consultation à tout le monde. Parce que derrière, déjà, on sait qu'il y en a qui ne seront pas pertinents, hein, en fonction de la couverture géographique du besoin, de la pérennité du fournisseur. Enfin, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont regardées en amont. Et puis ensuite, les appels d'offres, hein, il faut les dépouiller, il faut recevoir les offres, les analyser techniquement, financièrement, négocier. Donc on peut pas faire ça avec tous les fournisseurs. Mais encore une fois, de toute façon, tous les fournisseurs, ça s'applique pas à chacun des marchés. Il y a des marchés où on sait que on a des réponses plus ou moins adaptées ou des possibilités. On connaît aussi nos fournisseurs. Donc voilà. Très bien. Voilà, on arrive à la fin de cette conférence qui était très très dense, c'était un petit peu compliqué comme hier. Beaucoup d'intervenants, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'essayer de traiter tous les sujets, de donner la parole à chacun pour que vous ayez un petit peu une vision de ce qui va arriver, de ce que deviennent vos clients, de ce que prépare la marque. C'était aussi pour nous important, hein, par rapport à tout ce qui a été dit hier, Unicap et le travail qu'on fait pour vous. Ce ne sont que des partenaires qui sont sur cette scène aujourd'hui. Il y a clairement sur ces sujets un changement complet de relation entre la marque et le réseau. Il faut que vous sachiez, hein, c'est le travail aussi du GCAP et de la commission. Il y a encore 4-5 ans, nous n'avions pas contact avec la DSIN. Il faut le savoir. C'était des gens du marketing qui venaient nous parler des systèmes d'information. Alors que nous, dans la commission, on avait des responsables d'informatique. Donc, ça évolue pour moi dans le bon sens. Arnaud a parlé du dossier des tablettes. Il y a clairement aujourd'hui des dossiers qui nous sont donnés où la marque dit voilà où je veux arriver. La partie achat, la partie choix, c'est vous qui allez la traiter. De la même façon, on communique de plus en plus avec la direction des achats de façon à avoir une vision la plus optimisée pour vous, puisque entre des achats sur des PME, des achats groupes, c'est le travail qu'on est en train de faire. C'est un peu la vision qu'on a voulu vous donner sur tous les sujets qui intéressent votre informatique d'aujourd'hui et de demain. Une petite remarque simplement. Hein. Vous avez un groupe de travail au GCAP, un groupe de travail informatique où il y a beaucoup de compétences, en fait relativement large, parce qu'il y a beaucoup de personnes des gros groupes qui viennent y participer. Et je pense que l'axe de travail pour les concessionnaires Peugeot, c'est de passer par ce groupe de travail, parce que ça va permettre de structurer un petit peu vos déploiements informatiques qui vont arriver pour la plupart. Et donc, ça passe déjà par un réseau Wi-Fi bien structuré dans la concession, par un réseau en interne bien structuré, alors que ceux qui ont des nouvelles concessions, ça se passe très bien. Et puis ensuite, mettre votre DMS, de mettre en place les liaisons que vous allez pouvoir avoir entre votre client et la concession et les autres concessions du groupe. Donc tout ça, c'est une grosse infrastructure. De maîtriser les coûts, de connaître ses coûts, et de voir comment ils vont évoluer. Donc ça, le groupe de travail est bien structuré pour le faire. Et je voulais rajouter simplement une chose, dans l'environnement que monsieur a décrit tout à l'heure, qui était complet au niveau de l'automobile, il y a aussi qu'est-ce que vous allez en retirer. Et qu'est-ce que vous allez en retirer? C'est cette informatique décisionnelle qui est encore l'étape ultime, c'est-à-dire qu'on parle toujours du client, du parcours client, de ces choses-là, et le parcours de l'investisseur, il est où là-dedans? C'est qu'à un moment donné, vous puissiez avoir de l'information pertinente au quotidien pour pouvoir décider de ce que vous allez faire. Donc cette information quotidien, on a parlé de la base de données CRM, c'est l'information du client, comment il est mon client, comment il agit et qu'est-ce qu'il fait. Et puis ensuite, c'est le parcours à l'intérieur du personnel, quelle est la performance de mes vendeurs, quelle est la performance
de mes CCX, de mes réceptionnaires. Et ça, donc, c'est l'informatique décisionnelle qui va vous le donner. C'est-à-dire ce regroupement de ces bases de données et de dire au moment T, tous les jours, c'est-à-dire au quotidien, on n'attend pas le 15 du mois pour savoir quel est le résultat de la concession, quelle est la marge et quel est le chiffre d'avancement. C'est au quotidien, vous devez avoir ces chiffres-là. Et ça, ça sera l'étape dernière. Donc, pour ça, il faut arriver à structurer correctement tout ça pour que ben, derrière, ça tombe au bon moment. Voilà, merci. Merci encore d'avoir accepté de jouer le jeu. Je sais que certains sont peut-être frustrés sur la durée de l'intervention. Chacun aurait pu parler une heure de son sujet, c'est évident. Merci vraiment. Et on va passer à la troisième conférence.